Salut, aujourd'hui on se retrouve pour un petit bivouac avec Yann, mais avant d'aller chercher le coin du campement, on va faire un peu de tir à l'arc. Me voilà à nouveau avec Jus, ça fait plaisir de le retrouver, on est parti pour un petit bivouac. Avant de partir en bivouac, on va jouer, on va s'amuser comme des gamins avec un arc. Moi j'adore ça, j'ai déjà tiré à l'arc un peu gamin, ça fait longtemps que j'ai pas essayé, donc Jus me fait essayer son arc à poulie, c'est du bonheur. Donc voilà, c'est d'abord un petit peu d'amusement, puis après on ira se balader et trouver le lieu de campement. Bon, pour bien s'amuser, en fait, on a amené différentes cibles. Donc j'ai fait en carton avec du tissu ou alors avec du plastique dans des sacs. Donc du coup, dans l'idée, là, on se place à un endroit. Et en fait, on a mis différentes cibles de différentes tailles à différentes distances. Du coup, c'est assez sympa, là, on se fait ce petit challenge. Donc là, je vais tirer dans celle qui est là-bas, la blanche. Dans la petite qu'on voit entre les arbres, donc il y a aussi les arbres à ne pas toucher. Dans la grosse patate là, que j'appelle la grosse patate là-bas au fond, dans le sac. Et dans le petit ballon de foot qui est là, que j'ai rempli de plastique. Donc pour l'instant, on va rester comme ça. Puis à chaque volée, on change un peu. Chope Brian Adams. Alors, il y a Jus qui vient de nous faire un joli tir groupé sur la cible là. Depuis, il s'est placé à 20 mètres. Voilà. 20 mètres là-bas au fond. Et maintenant, deuxième défi, c'est le ballon. Bam. Bon voilà, après notre bonne session de tir à l'arc, on se retrouve dans la forêt. Là, on a marché un petit peu dans les bois pour trouver le spot. Et Yann a choisi un coin, donc j'ai laissé choisir. Et il y a beaucoup de jolis coins par ici. Mais Yann est tombé amoureux de ce petit spot. Salut. Bah ouais, encore au bord du ruisseau. Et non, c'est magnifique, le coin est magnifique. Enfin, c'est beau partout de toute façon, mais un petit plus pour cet endroit-là, voilà.
Voilà, du coup je vais vous amener un peu visiter. Et en gros, je pense dormir à un hamac ce soir. Et il y a nos sols. Et du coup, il y a en théorie de quoi faire au niveau des arbres pour moi. Et au sol, on a plein d'endroits qui sont très accueillants un petit peu dans les feuilles. Donc ça a l'air bien moelleux. Donc je vais vous faire voir un petit peu ce qu'on a autour. À commencer par le ruisseau. Voilà le ruisseau qui se situe ici. Et nous, pour le moment, on a laissé les sacs juste là. Donc on est juste en dessus. Donc théoriquement, il devrait pleuvoir ce soir à partir de 23h à peu près. Mais on est bien abrité par rapport au ruisseau vu qu'on a cette montée là, donc on ne craint pas une montée des eaux. On a une magnifique vue sur la montagne là-haut. Et voilà pour le reste du coin ici. Et donc on a le ruisseau ici pour venir charger en eau, mais on a également ce petit coin là qui paraît pas mal. On a une coulée ici. Avec un petit sursaut là-bas qui pourrait être bien aussi pour remplir les filtres si on ne descend pas jusqu'au ruisseau. Voilà, une sorte de mini ruisseau qui descend dans le ruisseau. Voilà ce que ça peut donner ici. Hop, et ça remonte là, au-dessus. Donc encore un magnifique spot. Et comme on peut le voir, donc il y a quelques arbres qui devraient pouvoir accueillir moi à Mac. Et sinon on a toute cette zone qui est assez plane ici pour venir dormir au sol. Voilà ce que ça donne de ce côté. Le tout au milieu des bois, dans les bois bien bien accueillants, avec de quoi faire au niveau du feu. Donc vraiment un spot très agréable. Voilà, du coup on attaque par les abris ce soir puisqu'il a annoncé de la pluie pour cette nuit. Donc moi je suis en train de voir si la taille correspond à mon tarp. Un instant, Diane est en train d'installer son abri au sol. Salut. Bon ben moi je suis en train de faire mon demi-tipi, tradition. Tradition de la tribu. La valeur voilà. Sûre. C'est ça, ça marche. Ouais, t'as l'air d'avoir trouvé un bon spot au sol. Ouais, un bon camping, un plat. Ouais. Voilà, du coup, on profite du décor tout en mettant en place les abris. Et une fois qu'on aura mis nos abris en place, ce qu'on fera, c'est qu'on viendra s'atteler au bois pour le feu. L'emplacement du feu, mais aussi l'emplacement d'un tarp collectif. Donc je suppose qu'on mettra peut-être ici là pour passer la soirée sous la pluie au cas où, comme ça bah, on sera abrité, on pourra discuter ensemble, passer toute la soirée avant de rejoindre nos abris. Bon, pour ce soir, comme on l'a vu, je vais dormir à un hamac. Donc là je suis un peu juste au niveau des arbres, j'ai réussi à tendre le tarp parce qu'il est un peu grand, celui-là il fait 3,50 m. Et je vais essayer une petite variante ce soir, donc j'ai pensé à ça parce qu'il va y avoir a priori de la pluie et tout à l'heure il y avait du vent qui s'est calmé jusqu'à maintenant. Donc c'est quelque chose que j'ai pas le souvenir d'avoir vu mais que j'ai pensé à essayer. Et Yann me dit qu'il avait déjà vu ce montage, donc ça va être intéressant de voir un peu ce que ça donne. Donc dans l'idée là je vais pas venir placer mes ficelles au coin du tarp comme d'habitude. Je vais prendre le premier cran. La première sangle qui est à côté du coin ici, je vais venir le placer comme ça. Donc je vais faire ça des deux côtés et de l'autre côté aussi évidemment. Ce qui va me laisser un triangle qui est ballant ici, celui-là. Là. Et en fait ensuite je viendrai prendre les deux pointes de mon triangle et je viendrai ensuite les placer au sol. Et en théorie ça me fera une protection si le vent arrive par là. Bon, bien entendu, l'air peut quand même passer, bon, ça limitera peut-être un peu. Et également une protection pour la pluie sur le côté et par ici. Donc voilà, pour l'instant, comme je n'ai jamais essayé, ça reste théorique. Mais bon, a priori, ça devrait pouvoir se faire avec bien évidemment au milieu les ficelles qui passent pour pouvoir attacher le hamac. Bon, voilà ce que donne notre campement. Donc à l'arrière ici on va retrouver l'abri de Yann qu'on a vu tout à l'heure.
Et ensuite, on est venu tendre un tarp ici, un appentis qu'on a fermé sur l'arrière pour passer la soirée à l'abri au cas où il pleuve. Et normalement, c'est prévu. Sur l'avant ici, on a fait le rond de feu. Donc là, je vais prendre la pelle, dégager au maximum les feuilles pour sécuriser l'ensemble. Et ensuite, là-bas, on a mon tarp. J'ai pas encore mis le hamac. Et voilà ce que ça donne. Donc avec cette configuration, j'ai pas pu rejoindre exactement ici, mais c'est pas mal au niveau protection puisque ça va bloquer un petit peu de tous les côtés comme on peut le voir. Les dessous, ça offre quand même une belle surface. Donc voilà, sur l'extérieur on a les coins qui sont rabattus ici, et voilà ce que ça donne dedans. Donc on peut quand même passer, c'est une grande ouverture, mais je peux être debout à l'intérieur. Voilà ce que ça donne. Donc ça fait refermer ici comme on peut le voir dans les coins ici. Donc, pareil de ce côté, mais on a quand même beaucoup d'espace ici pour pouvoir se placer. Donc je vais venir mettre le hamac. Donc pour mettre le hamac, ben, avec l'ouverture ça gêne pas pour venir placer les cordages. Voilà, donc c'est très bien parti. On a Yann qui est parti récolter de l'amadou pour pouvoir démarrer le feu au fire tool. Là, il est au bord du ruisseau, sous le regard de la montagne. Voilà de mon côté, pendant que Yann est parti là-bas chercher l'amadou. Moi, je débite les sections qu'on a déjà. Je vais faire ici le tas. Donc on se met sous l'abri. Voilà, dans l'idée, donc je viens mettre le bois à l'abri puisqu'on va profiter des dernières lueurs du jour pour descendre un petit peu dans le ruisseau pour visiter le coin, que je fasse un petit peu voir le coin à Yann. Voilà, le bois qui a l'air assez sec. Donc il est assez sec à l'intérieur ou parfois un petit peu humide selon les sections parce qu'il a plu dans la semaine. On va le mettre sous le tarp ici, comme ça, ça va nous permettre d'avoir le bois qui restera au sec au cas où il se mette à pleuvoir quand on va aller faire notre balade, on pourrait dire. Et ensuite, quand on reviendra, on verra pour lancer le feu. Donc on s'est organisé un petit peu différemment aujourd'hui pour prendre en compte le fait qu'il allait normalement pleuvoir. Donc comme je vous l'ai déjà expliqué, on met dans ces cas-là les abris en premier. Donc moi, j'ai toujours pas mis le hamac, mais j'ai déjà le tarp. Donc même s'il pleut, je pourrais commencer à le monter à l'abri. Et ensuite, au niveau du bois, on s'attelle au bois avant de faire autre chose pour le mettre à l'abri. Comme ça, au cas où il pleuve, il pourra rester au sec. Et du coup, ça posera pas de problème pour lancer le feu. Et ensuite, une fois qu'on sera tout en place, bah, s'il pleut, en fait, ça ne changera pas grand-chose parce qu'on sera à l'abri, notre feu sera démarré. Donc voilà une soirée qui s'annonce très bien. Alors, une petite astuce, si on veut refendre du bois et qu'on n'a pas de couteau ou pas de couteau qui permette de bâtonner, ce qu'on peut faire à l'aide d'une scie, c'est venir couper la section à peu près jusqu'à son milieu ici. Donc par exemple dans cette zone. Et ensuite, on va venir taper le bâton contre ben, un rondin, un rocher ou quoi que ce soit, et ça va venir enlever une partie, donc le refendre en deux. Donc on va voir ça ensemble. Donc là, je viens d'abord débiter ma section, mais qu'à moitié. Voilà, à peu près jusqu'à la moitié quoi. Et ensuite on va venir taper ici. Ça va venir fendre le bois. Donc ça marche pas mal. Hein. Et après, bah, si on a besoin, on peut accéder au cœur du bois qui est sec. Voilà, ensuite il nous suffira de redébiter avec la scie et on aura bah, nos quatre parties.
Donc ici on va venir couper. Et on va se retrouver avec nos quatre parties comme si on l'avait bâtonné finalement. Notre morceau de départ en fait. Voilà, on va avoir nos quatre parties ici. Donc comment bâtonner avec ici? Voilà quelques belles primes vertes qui nous montrent le chemin. Puisque on va prendre, comme je vous le disais, quelques dizaines de minutes là pour se balader dans les bois. Pour aller voir un petit peu plus bas, pour faire visiter le coin à Yann. Donc voilà, on profite et on verra. Normalement on devrait passer à côté de la pluie, parce que c'était annoncé que vers 23h. Mais au cas où, j'ai pris quand même la veste de pluie bien épaisse, donc je vous en avais parlé dans un vlog. Donc si ça vous intéresse, ce sujet, je vous mettrai le lien du vlog dans la description. Et nous, on continue la balade. Continuer la balade, on va remonter, on est descendu plus bas que le camp. Et voilà, les dernières lueurs du jour nous accompagnent. Donc on devrait arriver de nuit sur le camp pour s'occuper du feu. Bon, Yann se lance pour allumer le feu. Fire Steel. Alors la pluie a commencé à tomber. Donc on a attendu tranquillement que la pluie arrive. Et là, il est l'heure de lancer le feu. Bon, ben aucun souci pour démarrer le feu, donc il est bien parti, ça a bien pris, donc ça a accompagné les premières gouttes de pluie qui n'ont pas duré là, donc pour l'instant tout se passe très bien. Bon, au final la météo avait prévu la pluie pour 23h, là il est quasiment 23h et il s'est mis bien pleuvoir, comme on peut le voir sur le tarp ici. Ça a bien mouillé, mais bon, on est bien à l'abri ici. On peut le voir, on a notre appentis qui fait bien. On était en train de discuter dessus. Et là, j'ai enfin fini de mettre en place mon camp, donc avec le hamac à l'intérieur. Voilà. Donc ça s'annonce bien. Pour ça, il n'y a pas d'eau qui rentre. Et comme d'habitude, lorsqu'on dort à hamac, la petite astuce, c'est de venir placer des ficelles ici sur le cordage. Parce que s'il pleut, que le cordage s'imbibe, au bout d'un moment, ça va venir s'imprégner dans le hamac. Alors que si on vient placer du cordage ici, la pluie va venir, ce qui va être imbibé ici va venir jusque là. Et ensuite, suivre la ficelle pour aller goûter au sol, pour éviter que ça vienne mouiller le hamac. Et ça va être le cas aussi sur les ficelles du tarp. Donc là, comme le tarp est vraiment pégé à l'arbre, ça ne va pas être d'actualité. Mais sinon, si on a la ficelle un petit peu plus longue, pour faire la même chose, il faut venir placer un petit bout de ficelle pour que ça vienne goûter par terre. Donc là, je vais aller chercher de l'eau pour remplir la Kelly Kettle et faire bouillir. Là, je vais partir un petit cours d'eau qu'on a vu tout à l'heure. Je vais venir remplir la Kelly Kettle. Alors pour ce soir, il nous fait des petites pommes de terre grenaille là que je fais
rissoler tranquillement au feu là. Voilà, on commence de cuire les patates. Et puis après j'amènerai une petite pièce de bœuf. Du bœuf et des patates. Oh, c'est trop bon. Voilà. Content de ta cuisson. Regarde ça. Parfait. Ouais. Bravo au cuistot encore une fois. Voilà de quoi se régaler. Qui sont au feu de bois. En bivouac, bivouac bouge, craft en bivouac, toulou, toutou, toutou, en bivouac, bivouac bouge, craft en bivouac, toulou. Ça fait un bon moment que pour prendre du bon temps, du bon temps. On vient dormir dans la forêt pour s'émerveiller et se relaxer en bivouac. Bivouac bouge, je craque en bivouac. On aime ça, dormir dans les bois, au sol ou en hamac, heureux comme des rois, profiter du moment présent et de ce qu'on ressent. Un bien-être sans équivalent quand on est en bivouac. Bivouac bouge, craft en bivouac. Touloum toum toum touloulouloum. En bivouac. Bivouac bouge, craft en bivouac. Touloum toum touloulouloum. En bivouac. Bivouac bouge, craft en bivouac. Bon, comme d'habitude, on approche de 3h du matin, donc on va se coucher encore une fois assez tard dans ce bivouac qui s'est très bien déroulé. Donc comme on peut le voir, on est à peu près à 1423 mètres d'altitude. Et là, je suis dans le hamac. Et Yann est parti se coucher un petit moment. Donc voilà, ça s'est très bien passé. On est très content de la soirée, de la façon dont s'est déroulé toute cet après-midi. On a pu faire tout ce qu'on avait prévu avant la pluie. On est bien content d'avoir mis nos abris pour attendre les premières gouttes. Le feu, il n'y a pas eu de souci pour le démarrer. Pas eu de problème pour trouver le bois, pas eu de problème pour trouver le coin. Donc, vraiment une super journée. Donc là, il est l'heure d'aller se coucher. Mais on a fini cette soirée dans la bonne humeur avec un bon moment Disney. Donc voilà, il n'y a plus qu'à. Bon, il est un peu moins de 8h30, donc encore une courte nuit. Il n'a pas arrêté de pleuvoir de toute la nuit, avec le rythme qu'on entend ici sur le tarp. Une bonne pluie. De mon côté, j'ai pas du tout eu froid. Et je me suis réveillé plusieurs fois, comme d'habitude, dans une nuit à un hamac.
mais dans l'ensemble ça s'est bien passé. Et j'ai passé beaucoup de nuits en hamac lors de mes bivouacs sous la pluie, et j'ai jamais eu de hamac mouillé. Et comme on l'a vu hier soir, je vous ai parlé de la petite ficelle à rajouter sur les sangles. Mais c'est la première fois que je dors dans ce hamac sous la pluie. Donc j'ai passé beaucoup de nuits dans mes hamacs Ticket to the Moon avec le système de crochet au bout. Et le hamac n'a jamais été humide. Et là, pour le coup, je pense, on va aller vérifier, mais je pense que l'eau s'est imbibée dans les sangles. Puisqu'en fait, ça fait une sangle qui va directement de l'arbre jusqu'au hamac. Contrairement au crochet, en fait, où on va avoir la corde à nœud. Et ensuite, il va y avoir une cassure, justement, avec le crochet. Et du coup, ça ne vient pas s'imbiber. Je suppose que le crochet joue le rôle d'interrupteur, je ne sais pas comment on pourrait dire. Et l'eau ne va pas continuer. Et ensuite, après le crochet, il y a une toute petite sangle. Et c'est là où c'est que... une petite corde, et c'est là où c'est que je mets ma ficelle habituellement. Du coup, j'ai jamais eu la toile mouillée. Et là, force est de constater que même si c'est pas catastrophique, puisque bah, du coup, moi, j'ai pas ressenti l'humidité dans le sac de couchage et tout ça, eh bien, j'ai le haut ici du hamac et le bas là-bas qui sont bien humides. Donc, je vais vous montrer ça, parce qu'en bas, j'ai fait la même méthode que lors du dernier bivouac. Donc pour pas avoir froid aux pieds, ce que je suis venu faire, c'est que je suis venu fermer ma veste et j'ai mis mes pieds dans la veste. Et ma veste est mouillée. Donc je vais vous montrer ça en bas. Et là, je l'ai remarqué hier soir parce que j'avais le caméscope dans cette petite poche. Et puis je me suis dit, on dirait que la toile est un peu humide. Du coup j'ai sorti le caméscope et effectivement c'était tout humide. Donc... voilà, petit point à prendre en compte avec ce type de sangle au bout. Et sinon, bah, pas de souci de position, tout ce genre de choses, mais vraiment à prendre en compte pour les nuits sous la pluie. Donc je vais vous montrer le bas. Donc, voilà la config. Là, j'étais dans le sac de couchage, les jambes dedans, et à l'intérieur de ma veste. Et toute cette partie, en fait, là c'est tout humide sous la main. Hop. Ouais, en fait c'est quasiment humide partout finalement. Et là sur la veste on peut voir comme elle est un peu grise. Mais ça va être plus foncé sur l'arrière. Je sais pas ce que ça va donner. Ah ça on voit bien. Vous voyez? Donc là c'est la veste qui est sèche. Et là c'est la veste qui est humide. De ce côté là. Voilà. Et en fait ça c'est dû au fait que la toile est humide ici. Donc c'est vrai qu'après moi en dormant je l'ai pas ressenti parce que j'ai les pieds dans la veste, dans le sac de couchage. Puis j'avais rajouté pour pas avoir froid ma petite couverture en laine, et dessous là-bas il y a mon tapis de sol ici qui lui bah du coup finalement ne va pas isoler de l'humidité puisque il est dessous. Et ouais, je vais aller vérifier cette histoire de sangle en me levant. Mais voilà pour le petit retour sous la pluie. Bon, avec le bon débit de pluie là, ma gourde est remplie. Donc prêt à repartir ce matin avec de l'eau bien fraîche. Et là j'ai le thermomètre qui est accroché à mon hamac. Donc il a fait 4,2 sous mon abri cette nuit. Là, il fait 4,6. Je vais me lever, voir un peu ce que ça donne pour Yann, est-ce qu'il s'est réveillé ou pas encore. Vérifier l'histoire de la sangle. Pour l'eau. Regarde sur mon sac de couchage qui n'était pas sur la couverture en laine. C'est humide aussi. De ce côté, donc ouais, c'est bien humide sur tout le hamac. Donc on va vérifier ça. Et ensuite se préparer
pour remballer tranquillement le camp. Voilà, ici j'ai mis mon gilet à l'abri de la pluie, donc je n'avais pas laissé au sol, mais du coup bah, il est pour l'instant pas utilisable puisqu'il est tout humide. Et sur le haut du sac de couchage, on a le même bilan. Ouais, tout est humide ici. Donc voilà ce que ça donne au niveau des sangles. Donc ici avec mon abri, du coup je suis bien satisfait de la forme du tarp. Donc pas eu de soucis au niveau du tarp. Il n'y a pas de gouttes qui sont passées. Donc ici, aucun problème. Et donc ça recouvre bien le bout ici. Donc en fait le hamac n'a pas pris l'eau directement ici avec le tarp, puisque je suis bien en dessous. Et il n'y a pas eu de vent qui aurait pu passer ici qui a amené la pluie. De toute façon, comme c'est le même bilan de l'autre côté, il aurait fallu qu'il pleuve avec le vent qui vienne dans tous les sens. Et en fait ce qui se passe, c'est que donc là j'ai bien mes ficelles. Donc mes ficelles sont bien imbibées d'eau qui rejoignent le sol. Et en fait ce qui va se passer, comme je vous l'ai expliqué, en fait quoi, c'est ce que je suppose du coup. Ici les sangles sont imprégnées d'eau. Et du coup ça se transfère ici. Et normalement, dès que ça vient en contact, comme je vous l'ai expliqué, ça va descendre. Mais ce qui se passe, c'est que comme à l'intérieur c'est la même sangle qui continue, et qu'il n'y a pas de cassure comme avec un crochet, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure aussi, c'est venu s'imprégner petit à petit. Et en fait tout le bout du hamac est trempé. Ensuite dans le tissu ça s'est imprégné jusqu'à tremper tout le hamac. Donc pour le coup ouais, je vois pas trop de solution directe à ce souci là, puisque le hamac est ici avec ses sangles. Donc peu importe le système qu'on va faire, finalement comme ça va s'imprégner dans la sangle elle-même qui est assez épaisse, ça va finir par arriver par ici. Voilà pour le petit bilan de la nuit et de l'abri. Donc vraiment ravi de la forme du tarp. Pas de souci pour le placement à hamac ou quoi que ce soit, mais à prendre en compte, puisque par exemple ici si j'avais besoin de vraiment me protéger, qu'il pleuve toute la journée, que je reste dans mon hamac, finalement c'est restauré humide. Je viens de voir que la tribu des bois, le chef de la tribu des bois s'est réveillé. On va aller voir ce que ça donne. Oh Yann. Bon, je viens de montrer le hamac à Yann. Donc pour voir, parce que je me suis dit c'est peut-être une erreur humaine au niveau du placement. J'ai peut-être mal placé le hamac et peut-être qu'il a pris l'eau par rapport au tarp qui était mal mis ou quoi que ce soit. Du coup j'ai montré le hamac à Yann. Bon, il partage mon avis sur le fait que les sangles sont imprégnées. Le hamac est bien placé avec le tarp. Je vous montrerai ça un peu de l'extérieur. Il n'y a rien qui dépasse. Donc voilà pour la conclusion de mon petit bilan sur l'humidité du hamac. Et Yann, lui, n'a pas du tout pris l'eau. Alors ce qui est rigolo, c'est que comme je savais qu'il allait pleuvoir, pour moi le hamac c'est vraiment quelque chose de très très adapté à la pluie, parce que bon, on va pas du tout être mouillé au niveau de la protection avec le tarp, et pas non plus de problème au niveau du ruissellement sur le sol ou d'avoir un sol humide. Donc quand il pleut et que la température le permet, puisque je n'utilise pas le hamac quand il fait très froid, puisque c'est difficile de s'isoler du froid, notamment au niveau du dos, donc quand il pleut, moi je privilégie le hamac, justement parce que pour ces raisons là et parce que j'ai passé, comme je vous le disais, de nombreuses nuits un hamac sous la pluie et que j'ai jamais eu ce genre de soucis et été mouillé. Et pour le coup, Yann qui a dormi au sol n'a pas d'humidité au sol. Et même si moi je n'ai pas ressenti de problème d'humidité directe, puisque j'étais bien protégé dans le sac de couchage, à la couverture comme on l'a vu, eh bien j'ai quand même au final le hamac qui est mouillé. Donc
On va aller voir Yann un petit peu, voir ce que ça a donné sa nuit. Bonjour, et eh ben j'ai fait une super nuit. Voilà, on a eu la pluie pendant toute la nuit, du coup le clapotis des gouttes sur le tarp ça berce. Et moi j'adore. Voilà, j'ai bien dormi. Là on s'est levé à 9h du mat. Donc voilà. Plutôt un gros dodo, c'était confortable. Mon abri est resté super sec, donc ça c'est cool. Voilà, pas du tout d'infiltration ni rien. Donc nickel, impeccable. Là on se lève sous une pluie battante. Voilà ce que ça donne, avec le ruisseau qui est bien dynamique. On va ranger tranquillement, replier le camp. Voilà pour Yann avec son demi-tipi. Voilà, je suis bien content parce que c'est resté super sec à l'intérieur. Alors après, comme je dis souvent, il faut prendre le temps par contre de monter son abri, quoi. C'est-à-dire bien tendre correctement, bien s'assurer que ça soit bien arrimé. Et puis vous voyez derrière, j'ai mis quelques cailloux, voilà, pour faire une bonne étanchéité. Donc voilà, on s'applique un petit peu à monter et nickel, je suis resté bien au sec sans problème. Malgré ce gros déluge là qu'on a depuis une bonne dizaine d'heures là. Ouais, après là s'il y avait eu du vent en direction de l'abri, ça aurait été problématique, mais ça n'a pas du tout été le cas. Ouais, mais là finalement, ça a été. Et puis après j'aurais pu le faire un peu plus fermé, tu sais, tu ouais. Prends sur les côtés, tu refermes un peu de vent et ben là impeccable quoi. Ouais, nickel. Et là on voit le tarp de la soirée. Du coup on avait fini par venir tirer la sangle ici pour relever un petit peu. Et du coup ça donnait encore un peu plus de pente. Du coup on était vraiment calé sur l'arrière. Donc il y a eu beaucoup de place. Voilà, un moment très agréable, un moment de partage au coin du feu. Et qui a été donc à moitié au sec, moitié sous la pluie. Pour finir sur cette belle matinée ensoleillée. Voilà ce que ça donne pour mon abri vu de l'extérieur. Donc au niveau du fait que le hamac aurait pu prendre l'eau directement. Donc là on est bien loin et protégé. Là c'est la même chose. Je suis vraiment au bord. Là le hamac est loin là-bas. Et en fait au final c'est l'arbre qui a drainé beaucoup d'eau, qui s'est incrusté ici, qui est descendu là-bas. Donc ici c'est vraiment flagrant puisque on a très peu de cordes qui dépassent et qu'en plus au-dessus ça fait une pente, donc en fait le cordage ici ne prend pas l'eau directement. Ce qui est un petit peu le cas de ce côté. Ah non, même pas, là c'est pareil. On a le tarp qui vient au-dessus. Donc voilà, c'est principalement l'eau qui a été drainée par l'arbre. Et elle a fait la vaisselle. Toute propre. Et du coup j'ai vu que tu as utilisé de la mousse et de la cendre. Ouais, juste un peu de cendre. J'ai frotté avec des cendres d'abord. Et puis après essuyé avec la mousse. Voilà, pas besoin d'eau, pas besoin de rien. Et l'assiette qui était toute grasse, et ben elle est nickel. Ah nickel. Voilà, je suis en train de remballer le hamac là. Et du coup c'est. Au niveau du placement, donc hier soir on a vu que j'avais mis en premier le tarp pour être à l'abri, pour pouvoir venir protéger les affaires et monter le hamac. Et là le matin c'est l'inverse, on enlève d'abord le hamac, comme ça on peut le faire tout en étant à l'abri. Et du coup bien à l'aise en plus, parce que j'ai vraiment de la marge ici. Donc voilà pour l'ordre. Pour monter et démonter le hamac. Et quand il fait beau, je fais l'inverse. Donc soit je mets pas le tarp du tout, soit je monte en premier le hamac, puisque n'y a pas la contrainte d'être entre guillemets coincé sous le tarp, bien que là celui-ci est grand et du coup j'ai de la place. Mais il arrive qu'on soit sous un tarp un peu plus petit, un peu recroquevillé comme ça. Donc c'est plus agréable quand même de monter le hamac en premier quand il fait beau. Et ce qu'on fait, c'est que donc là on a rassemblé nos affaires au niveau du tarp collectif, on va dire. Donc on va ranger nos sacs là-dessous et ensuite finir par ranger ce tarp en dernier. Je pense que je vais juste le plier, le garder à la main ou quelque chose, pas forcément le mettre dans le sac à dos. Mais voilà, comme ça on pourra finir tranquillement de ranger les affaires.
Voilà, les affaires sont prêtes, on a rangé le camp. On peut voir que là où on avait les tarpes, la couleur est différente. Et on va se remettre ça sur le dos et rentrer. Bon, bah c'était encore un super bivouac avec mon ami Jus. Toujours des moments de partage incroyables. Voilà, on papote énormément, on profite de la nature. On a vraiment la même passion pour la nature. Et puis au-delà, la même passion un peu pour la vie, les mêmes loisirs, les mêmes façons d'aborder les choses, de parler de tout, de nos vies, de nos enfants. Donc c'est un immense moment de bonheur que je passe toujours avec Jus. Donc voilà, là on a pris la flotte, mais quand la compagnie est bonne, que la bouffe est bonne, que tout est bon, bah la flotte on s'en fout quoi. Donc encore merci à toi Jus pour cet accueil, et puis merci d'être venu. Plaisir de se retrouver très très vite. Ça roule. Bon, j'en profite pour te remercier Yann pour ces gentils mots, et c'est vrai que les partages sont toujours très intéressants et très variés aussi, on discute vraiment de beaucoup de choses. Et au niveau du bivouac, moi j'ai vraiment apprécié le rythme. Finalement, on l'a pris vraiment cool en se disant on va faire ci, faire ça. Par exemple, on avait prévu d'aller tirer à l'arc, on avait prévu qu'il pleuvrait vers 23h. On s'est un peu organisé à côté de ça, mais sans se dire vite il faut faire ci, il faut vite y aller, il faut vite machin. Non, elle était vraiment cool. On l'a fait vraiment au feeling, et au final, j'ai adoré le fait que tout se soit vraiment passé comme on l'avait prévu, toujours dans ce fameux rythme qui était très apaisant. Les discussions superbes, le moment Disney, on s'est régalé. Bien que Yann n'ait pas appris les paroles, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Mais ouais, vraiment un moment de bonheur et de partage aussi, qu'on peut dire. Donc le partage entre nous, et on l'espère à travers cette vidéo que ça peut un peu transpirer tous ces bons sentiments et cette positivité que nous, en tout cas, on ressent à travers ce partage-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Merci et à bientôt.